Non, ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que vous venez de dire, là? J'ai dit que si je pouvais revenir au début de la saison, je parierais un gros paquet sur les Cubs. C'est bizarre, son masque. Ah oui, celui-ci a une particularité intéressante, ce qu'on appelait une jaquette. On en mettait sur les livres pour les protéger de la poussière, naturellement, avant qu'on invente le papier autodépoussiérant. Ah, et si vous vous intéressez à la poussière, nous avons cet objet très pittoresque des années 80, l'aspirateur sans fil. Marty, avec ça, je peux pas perdre. Par ici. Ah, Doc, ça va? Bouge pas, je vais me garer par là. Ok. Ah, une DeLorean volante. La dernière fois que j'en ai vu une, c'était... il y a 30 ans. Ah, excusez-moi, pardon. Les brasiers de tir. Oui, mais elle ramène à son domicile, à ton futur domicile. Je suis en train de la rive, on la récupère et on repart en 1985. Je vais dire que je vais voir où j'habite, je vais voir au père de famille. Non, non, Martin, je la crois qu'elle est en compte. Non, je crois que tu as dû faire entre compte avec son soi futur. Les conséquences seraient catastrophiques. Donc, que voulez-vous dire? J'entrevois deux possibilités, primo. Se trouver une année avec elle-même, plus vieille de 30 ans, la traumatiserait et elle tomberait dans les pommes. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer tout ce même continuum espace-temps provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Ah, je suis presque rassuré. En route, j'espère qu'on va la trouver avant qu'elle ne se trouve elle-même. Il y a des bouchons sur le stratosphérique. Ça va nous prendre des heures pour y aller. Et ça, ça reste ici. Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps pour gagner au jeu. Je l'ai inventé pour voyager dans le temps. Oui, 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 non, je sais. De... Alors comme ça, d'abord on a inventé une machine à voyager dans le temps. Il est
T'as conseillé les jeux pour en exclusivité PlayStation 4 là? Ah non, je te les ai écrits. Hein. Bah celui Horizon New Dawn. Moi ouais, je le trouve pas. Si Spider-Man j'aimerais bien. En premier Spider-Man, en deux. Non, Days Gone. Les jours passés, ça s'appelle. C'est avec des zombies. Spider-Man, c'est avec un. Spider-Man, c'est avec un. Il n'y en a pas plusieurs, Spider-Man. Tu connais Spider-Man, je Spider-Man et la PS4. Il y en a deux, il y a Miles Morales. Mais le premier, c'est. C'est moins cher à la finale, c'est pareil. Même les docas, je l'avais dit. Celui à 20 euros, mais la fin, il est à 13 à micro. Regarde un peu la télé pour changer. Ouais, c'est docas, hein. C'est pas grave. Comment ça, deux jeux?
Et dans ce cas-là, Days Gone, ou un peu plus cher, il y a The Last of Us 2 à voir. Mais le moins cher d'abord. L'autre, il va baisser après. J'ai tellement de jeux à finir. Je suis tellement un mec pressé. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux un petit café? Je rigole. Elle est tellement gentille, celle-là. Elle est tellement serviable. Comme sa mère. Nous a mis sur écoute. Le Jitsu n'y courira jamais. Le poteau rose, un bon geste. Insère ta carte dans la fente. Je m'occupe du reste. À moins que tu aies envie que tout le monde vous dise que tu es une mauviette. Personne ne me traite de mauviette, Needles. Personne. Ah oui, alors. Prouve-le. Très bien. Très bien, Needles. Ah, la voilà, ma carte. Scanner is là. Je marche. Merci, McFly. On se voit demain au turbin. ATD vous remercie Mauviette. De votre confiance. McFly! Fujitsu-san, Kanishiwa. McFly! J'ai intercepté le message scanner que vous venez d'interfacer. Vous êtes éliminé. Éliminé? Oh non! Non, c'était pas ma faute, monsieur Needles. C'est lui qui a rien fait. Non, au contraire, j'ai fait ça pour le piéger. Je voulais le faire tomber dans le panneau, je pensais. Mon fax. Non, s'il vous plaît, non, vous pouvez vous pas. Vous êtes viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Le fire. C'était tellement. La phrase est. C'est pas le pied. Qu'est-ce que je vais dire, Jenny? Oh, Doc, si vous saviez comme je suis contente de vous voir. J'entre par la porte de devant. Rendez-vous dans une minute. Mais ça ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de poignée à la porte. Pose ton pouce sur la plaque. Quelle plaque? Maman, c'est rien, calme-toi. Maman, Needles et moi, on était en train de rigoler. Bienvenue. Tu as été envoyée. Envoyée? Maman, déjà rigolée. Oh, j'ai
Dépêche-toi! Quand elle s'est rencontrée avec 30 ans de plus, comme je l'avais prédit, ça l'a plongée en état de choc, elle s'en remettra. Ramenons-la en 1985. Et ensuite, je détruirai la machine à voyager dans le temps. La détruire? Alors qu'est-ce que vous faites de tous vos trucs sur l'humanité? Où est-ce qu'on va et pourquoi? Les risques sont trop grands, cet incident le prouve. Et je suis un homme, un principe. Imagine que la machine tombe entre les mains de gens de sens. Je n'ai qu'un seul regret, celui de perdre tout espoir de visiter un jour mon époque sacrée, le Far West. Mais les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes. Marty, Einstein, attachez vos ceintures, le déplacement temporel va secouer. Ça a marché. On est de retour. Chez toi, tu reviens ici 4 à 4 et tu la réveilles. Quand elle ouvrira les yeux, elle sera chez elle, il fera nuit. Tu pourras la convaincre que tout ceci n'était qu'un rêve. Et vous voulez dire la laisser là, sur la véranda? Tes orientations devraient la convaincre que tout ceci n'était qu'un rêve. Combien de temps elle va rester évanouie à votre âge? J'en sais trop rien. Elle a reçu un sacré choc. Elle en a peut-être pour quelques minutes, mais je dirais plutôt 2 heures. Tu apporteras des sels de précaution, pas mieux que Dac. C'est vous le docteur? Bon, allez, viens, Einstein, on y va. Ne t'en fais pas, il ne lui arrivera rien. C'est marrant, je me rappelais pas qu'il y avait des barreaux à cette fenêtre. Là ? Si tu as besoin de moi, je serai à mon labo, en train de démonter cet engin. D'accord. Mais qu'est-ce que... Octobre 1985. J'y comprends. Larsa.
Monsieur Strickland. Monsieur Strickland, c'est moi, monsieur Marty. Marty McFly, Marty McFly, vous vous rappelez, on se voit tous les jours à l'école. Meilleure fois de ma vie que je te vois, mais tu m'as l'air un sac à tocard. Oui, exactement, c'est vrai, je suis un tocard. Vous vous souvenez pas, vous m'avez collé en retenue la semaine dernière. La semaine dernière? Le lycée a brûlé dans un incendie il y a 6 ans. Exactement 3 secondes pour déguerpir de mon perron si tu tiens à tes noix. Non, ah, je vous en prie, monsieur Strickland, j'y comprends rien, dites-moi ce qui est arrivé. Jamais qu'un petit bras en l'air. Ça suffit, Pete, arrête. Non mais regarde-les.
juste une banane pour portrait de son père. Espèce, je t'interdis, tu m'entends, je t'interdis de parler comme ça de Georges. Il n'arrive même pas à la cheville. Espèce de salaud. Tu démarres toujours au quart de tour. Tu veux me faire cracher les boyaux. Unique réalité pour tous les autres.
plastique qui contenait l'almanach des sports. Je le sais parce qu'il y avait encore le ticket à l'intérieur. C'était pour la machine à voyager dans le temps. À côté de ceci. Le pommeau de la canne de bif. Je veux dire le vieux bif, celui du futur. Exact. C'était dans le véhicule spatio-temporel parce que Bif était dans ce véhicule. Et il avait emporté l'almanach. Oh la vache. Vois-tu, pendant que nous étions dans le futur, Bif s'est emparé de ce livre, a volé la DeLorean et a remonté le temps pour se donner l'almanach à lui-même à un certain moment du passé. Regarde. Ah, ah, c'est écrit. Noir sur blanc, Bif a gagné son premier million de dollars en pariant dans une course de chevaux en 1958. C'était pas un coup de chance, il savait, parce qu'il avait tous les résultats des courses dans l'almanach des sports. C'est comme ça qu'il a fait toute sa fortune. Hein? Tiens, prends la loupe et regarde sa poche. L'almanach. Oui. Oh, l'espèce de fumier, il m'a volé mon idée. Il devait sûrement écouter quand j'ai... On doit fermer. Je suis tout à fait d'accord. C'est ma faute. Tout ce qui arrive, c'est ma faute. Si j'avais pas acheté ce sale bouquin, on serait jamais tombé dans ce pétrin. Ça, c'est du passé. Du futur, vous voulez. Si tu préfères. En tout cas, cela montre comment les voyages dans le temps peuvent être utilisés à mauvais escient et pourquoi le véhicule spatio-temporel doit être détruit. Une fois que nous avons rétabli la situation. C'est ça, on n'a qu'à retourner vers le futur et empêcher Bif de voler la DeLorean. Parce que si nous partons dans le futur, à partir de ce point du temps, nous arrivons dans le futur de cette réalité. Dans laquelle Bif est un homme puissant, malfaisant, et marié à ta propre mère, et dans laquelle. Voilà ce qu'il advient de moi. Nous, notre seule chance de remédier au présent est dans le passé, au point précis où le rythme du temps a obliqué dans cette direction. Si nous voulons que l'univers redevienne tel que nous l'avons connu, et si nous voulons réintégrer notre réalité, il a toujours son petit bouton en ce moment. Ah ouais, c'est bizarre, ça fait longtemps. Miser sur le vainqueur et je gagnerai tous les coups. Je me rends compte que
Je n'ai pas besoin que tu comprennes. Tu faisais quoi, là? Enfin, il n'y a pas d'arnaque. Je n'ai pas besoin de personne. Celle de la vengeance. Très bien. Elle ne t'apportera pas la paix. Crois-moi. Toi, je m'occuperai de toi plus tard. Oh, il m'a dit autre chose. La vie d'abord. Qu'un jour, j'aurai peut-être un vieux savant cinglé au regard fou. Hop là, reste tranquille. Viens parler à toi. Chouchou.
Je suis pas c'est bon. Ça part. Hein. Je suis en train de mourir, c'est n'importe quoi en fait. Mais c'est n'importe quoi ce jeu. Chier son niveau de difficulté. Ça sert à rien, je peux pas attendre une heure. C'est pas le moment de jouer là. Allez faire la douche. Mais il y a moyen de ne pas mourir en fait en jouant. Il n'y a pas de la vie là. Vous
savez, par moments, on a des comportements ou des désirs assez étranges qu'on a beaucoup de mal à expliquer. Il y a un petit bouleversement qui va s'effectuer dans ma vie. Dans quelques mois, je serai parent. Ma petite amie est enceinte. Alors attention, c'est une excellente nouvelle. Je suis très heureux. Le truc qui m'étonne, et vraiment, vous ne comprenez pas comment ça m'est venu, j'en serais incapable de vous dire, c'est que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai éprouvé une irrésistible envie de jouer à Spyro le dragon. Je me suis précipité pour retrouver Alex, je lui ai proposé qu'on reprenne ensemble, comme à l'époque. Il m'a rétorqué qu'il possédait le remaster du jeu sur PS4, qu'il n'avait justement pas encore pris le temps de parcourir. Il m'a proposé qu'on se le fasse, et on s'est un peu pris le bec. C'est que moi, je jouais à Spyro sur PlayStation 1. Si on y a joué, c'est en condition de l'époque. On n'était pas d'accord, on s'est retrouvés chacun chez soi. Tant pis, moi j'ai mangé ma PlayStation et je me suis relancé dans l'aventure. Ce qui allait m'amener à me remémorer tout un tas de souvenirs. C'était un jeu qui appartenait à Jérémy, le grand frère d'Alexandre, et qui me faisait baver d'envie. De manière sympathique, il a accepté de nous laisser y jouer. On était tous pris d'admiration parce que ce style ravi. En gros, c'est pas très compliqué. Le dit la Team Orc est emparé de tous les joyaux du royaume. C'est des dragons qui sont sortis dernier. Dans un avion, un seul est passé à travers la vie d'un trop petit. Spyro, ça n'a pas l'idée à nous de récupérer les joyaux. Dragons et surtout vaincre du globe de la Team Orc en débutant dans le monde des artisans. Alors, clairement, le titre reprend le concept de Mario 64. Souvenez-vous avec le hub central, le château de la Princess Peach, et les tableaux représentant les différents niveaux à travers lesquels nous collections les étoiles. Ici, les tableaux sont remplacés par des portails. Les étoiles laissent place aux dragons. On a aussi des joyaux à contrôler, et surtout les yeux de dragons qui sont volés par ces voleurs. On va parvenir à les rattraper. Et les dragons, justement, disposés de nous. Certains d'entre eux portent des blagues qui sont recalées par Spyro, comme ici. Merci, ça m'a permis les respirants. C'est combien de temps que tu vas t'aider de la petite salade? Je me rappelle plus de la vie, je crois que j'ai. Désolé. Je dois partir. Allez, c'est bon. Et surtout, tu veux me dire. Tu prends celle qui est sèche? Ou les autres? Ou les mecs? Le premier boss du monde des artisans est tout aussi amusant. Pourtant, on était inquiets parce que l'un des dragons nous avait averti. Gnastignoc a nommé l'un de ses plus ignobles fidèles à la tête du monde des artisans. Amène-le-moi, je vais en faire un barbecue. Sois prudent, Spyro. Il a plus d'un tour dans son sac. Du coup, l'idée de prudent est appliquée dans la bataille. C'est un abominable épouvantail qui s'avérait être une simple distance sur des échasses. Ouais. Spyro propose un univers réellement atypique. Il est dit quand même de part d'Alex de prendre le risque de dénaturer tous ses souvenirs en voulant un remaster. Enfin, une fois ce boss vaincu, nous pouvions voyager avec Margo, l'aéronautique, et quitter le monde des artisans pour rejoindre celui des pacifiques, avec tout un tas de nouveaux niveaux et donc de dragons à délivrer. Par moments, j'ai voulu nous regarder jouer et nous conseiller, parce qu'avec le monde du Pacifique, l'aventure se complexifie. Il manque un nom qui nous envoie leur kamikaze, le gros balourd aussi qui nous défend avec des règles, et bien sûr les dragons. C'est toi, Spyro ? Tu es ce jeune dragon dont j'ai tant entendu parler. Parce que tu l'étais encore un vrai qui crache sur le football. Nous savions, voyons. C'est simple, j'ai pas le souvenir qu'un jeune nous ait autant fait rire que ce Spyro. On adorait délivrer les dragons et les fées. Vous avez à nous raconter, certains d'entre eux n'avaient pas grand chose à dire. Merci de m'avoir libéré. On était franchement déçus. Le boss du monde des pacifiques était bien plus grand que celui du monde des artisans. Jérémy avait accepté de finir le coup un bout et donc ensuite accéder au monde des colliers magiques. Finir de l'araignée dans les hauts grandes grottes qui terrifiaient. Ni les flammes ni la charge de Spyro n'en venaient à bout. Je me demandais si c'était le boss ou pas. Hein. Comment vous faites? Cette menace est réelle? Oui, monsieur, nous le pensons. Quelque chose de gros se prépare. Quelque chose... Mais... S'il vous plaît, je vais Ne t'approche pas de mon fils! Tu n'as pas à faire ça! Arrête-le! C'est triste de voir venir les gens. Voilà, merci.
Naruga donne des bonnes infos, tu remplis son ventre d'eau, puis tu fais une attaque rodéo. Il n'est pas comme ça. Mais moi je finis le jeu avec tout de... J'ai pas compris le jeu. Améliorer mes chaussons. Mais la baguette, c'est où? Je peux pas améliorer les baguettes. Je suis con. Dans le péché. Ma vraie mère. Quoi que je fasse. Quoi que je dise. Je ne fais rien. Que tu interviennes! J'essayais juste de te protéger. Je voulais. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais tu es libre à présent. Tu as ce que tu voulais. Et c'est
peut me pardonner et nous pouvons construire une nouvelle vie. Ça n'arrivera pas. J'ai déjà payé. Si je te donne un sac de pierre, voulez-vous tout ce que j'ai oublié? Si nous voir morte. Bien fait! Ton corps sans vie. Aux quatre coins des neuf royaumes. Et je jetterai ton âme en pâture aux créatures infernales. Je t'en fais la promesse. Il t'a sauvé la vie. Bon, vous n'avez pas obligé d'avoir les pierres sur tous les coins. En fait, vous saviez d'avance que je n'avais pas ce qu'il fallait. Laisse les minéraux chez lui, ça sert à rien de parler de graines, mais regarde pas. Merci Alpha. Bordel, les gens qui m'ont... On vient de perdre. J'ai pas votre temps, moi. Je ne sais rien de moi. J'en sais bien assez. Mais je suis pas fatigué, il y avait que des messages en mode genre tes pierres elles sont dans les herbes, c'est pour ça. Écoute bien. Hey Yel. Je viens d'une ville appelée Sparte. J'en ai rien à foutre. J'ai fait un pacte avec un dieu et j'y ai laissé mon âme. J'ai tué des gens qui le méritaient. Merde, je vais acheter de la chimère après. C'est quand même vraiment le pied sur PS5 de pouvoir se TP comme ça aussi rapidement. C'est vous qui êtes fatigué. Oh, putain, c'est flippé. J'ai tué. C'était bien ton père, elle. C'est ça, être rendu. Ça finit toujours comme ça. Non mais attendez. Vous ne comprenez pas un truc. Moi je cherche... Ils tuent leur mère. Leur père. Moi je ne cherche qu'une seule chose. Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas améliorer. Les dieux qui ont été. Mon arme pour ne pas m'en servir. Tu n'as pas à devenir. Juste balancer des flipendo jusqu'à la fin du jeu. J'étais. Nous devons être meilleurs. Putain, mais. Pourquoi elle. Bon, j'imagine que ça fait des mots. Putain, mais il l'a pris dans sa garde ou oui. Quoi le. C'est sûr. Mais c'est un choix qu'elle n'aurait jamais pu faire. Non, mais j'ai plus mon anneau d'acuité, parce que là j'ai mon anneau qui me remet des PV, en plus de l'anneau qui remet des PS.
Nous devrions finir ce voyage tant que j'en ai la force. Est-ce que l'anneau de récupération... Tu devrais pouvoir switch... d'anneau plus rapidement, quoi. Je comprends pas. Vérifie la régène de mana. Je sais qu'on a bien fait de la sauver. Mais elle avait l'air méchante à la fin. Mais c'est écrit nulle part. Tu as tué son fils. Surtout, y'a rien qui change dans mes bonus, quoi. Tu as tué son fils. Un parent ne se remet pas facilement de la mort de son enfant. Si j'enlève le fragment. Mais il allait la tuer. Elle serait morte pour qu'il vive. Seul un parent peut prendre ces choses. Alors, tu me laisserais te tuer. Si ça te permettait de vivre. Oui. Écoute, ce n'était un choix facile pour personne, mon frère. Mais on sait tous que tu as fait ce qu'il fallait. C'est écrit nulle part. Le monde a besoin de Freya. Comment tu peux deviner ça, quoi ? Il faut juste lui laisser du temps. Elle finira par ça. Il y avait aussi des messages, ils avaient frappé avec le pochon. Alors retournons au temple de Tyr, une dernière fois. Oui. Ça m'indique que c'est le minerai du croissant parce qu'il est du croissant. Qu'est-ce qu'on a fait faire à Baldur ? Odin a dû le convaincre que vous suivre à Jotunheim lui apporterait le salut. Des mensonges sans doute. Pourquoi le lit a-t-il rompu le sort ? La magie vanne est puissante, mais les règles en sont obscures et sournoises. Sauf si l'on est une sorcière, sans doute. Oh, mais quelle tragédie. Baldur était le cadeau le plus précieux d'Odin à Freya, le fruit sacré de leur union. Elle ne voulait que lui éviter de souffrir et craignait de le perdre. Mais de telles pulsions peuvent conduire des bons parents à prendre des décisions incroyablement stupides. On va pas s'énerver. Ta-ta-ta-ta-ta, quand je rentre dans la boîte... Et la claque, je prends le pochon. Sachant que j'ai toujours mon autre baguette magique pour être... au max DPS. Mais ça devient... ça devient n'importe quoi. Non, je peux pas l'avoir dans les chemins. Merde. Ok, ok. On veut quand même, je veux quand même me battre avec le vrai bouton. La tour a avalé la pierre d'unité. En vrai, elle va te voler à nouveau. Oui, c'est vraiment dommage. Mais quoique, hein, franchement, c'est quelque chose à faire. Comment Odin a pu savoir qu'on allait à Yotunheim? Alors, Marc, je peux switcher comme ça. Vois-tu, Odin est très intelligent. Plus de mana, et en plus, ça remonte. Presque aussi intelligent qu'il pense l'être. Du coup, ultimement, j'aurais... Il collectionne les prophéties. Dès qu'une chose concerne l'avenir, il l'ajoute à sa collection. Ça lui permet de se proclamer clairvoyant et omniscient. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le contrôle. Contrôler l'avenir, ouais, contrôler son destin. C'est pas dingue, hein. Il contrôlerait chaque monde, chaque pays, chaque royaume s'il le pouvait. C'est pourquoi il cherche à éliminer tout danger potentiel. Même si tu n'as jamais rien fait contre lui, il se dit que tu pourrais le menacer un jour. Alors, tu comprends, l'important, ce n'est pas qu'il ait su avant vous. L'important, c'est qu'il avait raison. Arrête de vomir. Putain! Mais je te permets pas! Non! J'ai voulu mettre le bouclier. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Si t'es malin... C'est PVP au lit, là, l'invisibilité. Franchement, j'ai vraiment l'impression que ça trigger les mecs de moins loin, hein. La vie, et puis je vais la voir en poussette chercher mon chargeur, là, au bar Charles. Mais je vais venir avec toi, ça me fait une petite sortie. D'accord. Ouais, mais bon, c'est la bague de voleur, sinon. Ah, d'accord. Oh, le petit zouzou, poutou, poutou, poutou. Oh,
faire un voleur arcanique avec des specs militaires. J'ai peut-être vitesse d'invisibilité et vite déchanté. Bref, c'est dommage, putain, je voulais tellement marouffer le truc, mais je pensais que j'avais gagné le jeu. En fait, j'étais juste un connard. J'avais rien inventé du tout. Je joue hors ligne mais Afrika, si quelqu'un devait m'envahir par derrière putain, mais c'est à moitié auto-aim ton truc. Merde, putain, il y a un bar. Avec plaisir, mon gourdin est full upgrade. Désolé d'avoir perdu mon temps. Bonjour. À l'atelier. Merci, papa. J'appliquerai le truc blanc qui colle. Putain, c'est vrai que le jeu. Là, moi dans la vraie vie, j'attends là devant le truc en rechargeant mon mana à l'infini. Hein. Je ne vais pas dépenser des épices fraîches alors que c'est gratuit d'attendre. Tu vois, genre, pourquoi mettre de l'eau chaude alors que je peux remplir un seau d'eau, le laisser au soleil et ensuite me laver dedans. Bon. Excellente. Oh, les gros tétons. Wow. Oh. Il est pas Twitch safe ce boss, c'est pas possible. Wow, il me tape. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah, il fait des trous à travers le mur. Ok, d'accord. Le juge est dégueulasse, ça va. Regarde le juge comme ils l'ont fait. C'est un monstre horrible. Une espèce de gros avec des rayures de dentaire, là. Une langue et une petite flamme sur la tête, une espèce d'épée. Un gros fort. Là. Sur la mer. Qu'est-ce qu'elle fait? On a encore First Try, mais bon, après, vous allez encore me dire que je joue pas au jeu, quoi. On pourrait pas me l'enlever. Et l'autre, elle dit oui, c'est normal avec la casquette et tout, que le chien attaquait. Je l'ai tué dans le fond. Le début des escaliers était bien plus dur. C'est mon troisième chien. On a un enfant de 5 mois, le duc, on a toujours éduqué, il a jamais attaqué de chien. Je ne pas d'avoir une chose derrière. Il y a un truc qui regardait, qui lâchait pas la tête. Très pratique, comme un autocrate, tu sais, une espèce de. Non, pas pour toi. Il y a ça, mais. Le mec du sud, mec.
pour en vivre. C'est la farce du démon. Tu vois ce que je veux dire? T'es puni. On est prête, maman. On est prêt, maman. Mais tu me saoules. Je comprends rien. Vers le plus sommet, la volonté de mer. On voit un passage vers Rottenheim. Alors on va aller à Rottenheim, mais pas Mospoulébu. Mushroom Land. Mospoulé, Van Halen. Le remake est parfait. Ah. Testons les têtes. Merde, j'ai oublié, je devais aller. Je sais que c'est pas Svatarien. Faites tout sur votre organisme. Ah non, surtout pas Hélène. Ah non, mais il n'y a pas en fait. Ah ça y est, je fais tout le tour. C'est chiant. Putain, ça sent trop trop plus long. Atreus, la tête. Tiens-toi prêt. Oh, oui. Je l'ai. Le stage 3-1 aura été totalement marouflé dans tout leur travers. Je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en rediscuter. Non, ça va bien se passer. C'est très désagréable. Maintenant, Atreus. Très bon choix. Excusez-moi. Joyeux Noël, ma chérie. C'est toujours les gens qui font la différence. Au champ. Oh, la guerre, c'est beau. J'ai quelque chose à dire. J'aime le veau. La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une tête en décomposition d'avocate. Vous ferez mieux de vous attendre ici. Ça vous concerne pour le petit ou trois. C'est vrai. Mais si quelqu'un venait te trouver. Vous avez réussi. J'avais l'impression que quelque chose que je savais qu'on votre fille a commencé la remontée. Non, 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 non. Ça va, c'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Tiens, je peux pas. Allez, allez, regarde, c'est la fin. Caro ? Regarde comme c'est beau. On va jeter les cendres de sa mère, qui est morte, je sais plus comment. Il sourit, lui. Ah bah, c'est beau, un bel escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une vallée entrouverte. Nous parviennent les accords d'une musique qui est en ce lieu par une petite tête de Marshall. Tintin, c'est le côté obscur de la force. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. Je vais raconter l'histoire comme ça. La puissance de l'ombre s'installe. Non, je ne résiste pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Ouh, j'avais exploré le royaume de tes peurs
en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable et c'est bien. Oui, tant que c'est les femmes, pas de meilleur l'un de l'autre. On est sur les doigts du géant. Il n'est plus au sommet, il est juste devant. Je le vois. Alors, pour info, on était à Rotunheim, on est sorti de Helheim, on est allé à Vastnatalheim, Mospulheim. C'est franchement, c'est un peu long, quoi. Un peu chronophage. Kratos, Kratos. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout prêt. Atreus. Attendez, j'ai été à Kodan. Allez. Dans deux minutes, c'est fini. Hein. J'espère. Ça va mener le temps. Tiens, Atreus. Porte ta mère. Elle est légère, regarde. Hop. Et putain, c'est quoi cette armure-là, en doré? Moi je me suis une petite côte de maille. Avec un maille qui maille. Allez, on y va. On y croit. Waouh, c'est joli. Atreus. Rien. Je pensais que j'aurais entendu des voix. Oh, c'était moi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard, le dernier des géants. Midgard. Pourquoi avoir sculpté tous ces visages? Ça représente peut-être tous les géants qui ont réussi à fuir Midgard. Il n'y en a pas beaucoup. Odin et Thor, les rois de la destruction. Ah ben non, c'est cérémonial, hein. Affiché le journal. Midgard était un rêve, un monde de partage et d'entraide entre Jotnar, Hesses, Botnes, Elfes, Nains et plus que tout mortel. Les mines de la Moria, un lieu magnifique, mais tous ne sont pas capables de partager. Ben non, pour certains, tout ce qui échappe à leur contrôle est sauvage et menaçant. C'est pourquoi nous avons été raillés, trompés, utilisés, puis finalement massacrés. Odin et les siens ont été bannis de notre royaume, mais cela n'a pas suffi. La colère de Thor et de son terrible manteau décime et nous rend Midgard de façon alarmante. Nous n'avons d'autre choix que de battre en retraite tant que certains sont encore en vie. Au dernier temps, on s'appelle tous les géants, s'ils avaient pu. Personne ne les a arrêtés. Et comment dire les filles? Fada Fatrasene, la tapisserie, ta tapisserie. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qu'il aurait appris? Pourquoi on nous a envoyé ici? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Voilà. Autrement dit, ferme bien ta gueule. Attends, je vais donner une dernière tête. Attends! Merde! Il se passe quelque chose! Oula! Donne-moi ça, ça tombe en pouce! C'est mère! Ah, c'était une déesse! C'est ta hache! Elle a demandé le salut! Regarde! Elle se dispute avec un groupe de géants. Mon Dieu. Elle connaissait les géants. C'est nous. La première fois qu'on a vu le serpent monde. Et pourquoi? Mais tout était donc tenté que... Notre combat avec Baldur. Non. Et ça vient juste d'arriver. Savait tout ce qui allait se passer.
Mais qui? Le dragon de la montagne. Le maçon de pierre. Oh, un maçon de pierre. Tous ses dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Oh, la musique et tout, on dirait le Seigneur des Anneaux, quoi. Hein? T'as une moyen? Ils ont mis les moyens. T'as un géant, mais tu fermes à 10. Allez là, on s'en fout. Un méchant, un méchant, un méchant. C'est la chance que nous allions trouver. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Je devais arrêter. Vous avez sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qu'il cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... elle s'est pas trompée pour l'instant. Viens! C'est presque fini maintenant. Oui. C'est presque fini. Bon, on finira plus tard. C'était beau. Ah, oh là là. Attention, rien pour vous. Ah non, je peux même pas faire ici. On va sauver un dé, une sienne. Tu l'as vu?